Mesdames des valeurs, bienvenue dans votre magazine Un jour une femme, ce magazine qui vous permet de découvrir l'univers de la femme dans toute sa diversité. Et pour aujourd'hui, nous vous présentons une histoire inspirante d'une vie d'avant et d'après d'une grande dame qui autrefois reconnue comme une star de télévision à Lubumbashi, mais aujourd'hui est devenue une servante de Dieu, mieux encore, femme d'un pasteur. Mais la question est de savoir quelle a été la cause de cette belle transformation. Les réponses dans l'histoire du Salvani Marraine. Salvani Marraine, c'est chantre de l'Éternel. Salvani Marraine, c'est une conférencière, c'est une femme entreprenante et c'est une mère de famille aussi. Salvani Marraine est mère de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Salvani Marraine est deuxième de la famille. Je suis née à Lubumbashi, j'ai grandi à Lubumbashi et après mes études, je suis venue à Kinshasa. Avant de rencontrer le pasteur Placide, j'étais premièrement une star. J'ai présenté aussi des émissions, émissions amoureux, qui en ces temps-là, on dénommait ça tendresse, espace tendresse, d'où on parlait de relations amoureuses. Oui, parce que j'aime l'amour et j'aime beaucoup plus le mariage. C'est pendant 2 ans que j'ai embrassé cette carrière. J'ai rencontré M. Placide parce que je suis arrivée en G1 à l'université, donc à la statistique Lubumbashi. C'est là que j'ai rencontré M. Placide, qui est aujourd'hui mon mari. Bon, lorsque nous nous sommes rencontrés, il était intercesseur à l'église, la NCD Lubumbashi. Il était intercesseur et je ne savais pas qu'il était intercesseur. Je ne savais pas non plus qu'un jour il sera pasteur, serviteur de Dieu. Lorsque nous sommes rencontrés, on était juste à la statistique, en train de payer le frais académique. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, parce qu'on s'est tous retrouvés dans une file d'attente, en train de payer vouloir payer le frais. Et c'est là qu'il y a eu un monsieur qui a lancé une... Non, lui, il a posé une question à un monsieur qui était juste devant moi, et ce monsieur-là, il parlait qu'anglais. Maintenant, M. Placide ne connaissait pas l'anglais. Il s'est débrouillé quand même un tout petit peu en anglais. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai entendu cela, j'ai souri. Et après avoir souri, il m'a posé la question, « Mais mademoiselle, je suis en train de vouloir payer, me renseigner sur comment payer le frais. Et toi, tu te moques de moi. » J'ai encore souri et c'était ce jour-là que l'histoire a commencé. Lorsque j'ai appris qu'il était intercesseur, je l'ai facilement accepté. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, j'avais une maladie, j'avais une malformation en fait au niveau du cou. Là, quand vous regardez, vous n'allez pas le remarquer parce que Dieu est tout-puissant. J'avais une malformation au cou et quand nous nous sommes rencontrés, il y a des choses que Dieu lui avait dit à mon sujet. Et il a commencé à me parler sur ce que je vivais, sur la maladie que j'avais. Et c'est ce qui m'avait beaucoup plus tiqué. Et lorsque nous avons commencé à parler, ce n'était pas directement qu'on parlait de relations amoureuses ou quoi que ce soit. On était juste en train de parler sur le fait qu'il devait m'amener dans son église, voir son pasteur, et pour que son pasteur puisse prier pour moi. Enfin, j'avais une masse au niveau du cou. J'avais une masse au niveau du cou et cette masse-là a duré à peu près 11 ans. Cette masse a duré à peu près 11 ans. Et lorsqu'il avait vu cette masse-là, il est rentré chez lui à l'église et pendant qu'il priait, Dieu lui a dit que je t'envoie cette fille-là pour que tu puisses l'encadrer, pour que tu puisses la redonner ce goût-là de vivre, pour que tu puisses aussi l'aider. Et malgré cette malformation-là,
Il est venu, il a commencé à me parler sur ce que je vivais, comme je le dis. Il m'a parlé, les choses qu'il me disait là, ce sont les choses qui étaient vraies et ce sont les choses que j'ai vivées. Quand bien même que je n'étais pas avec lui, mais quand il me parlait de ces choses-là, je me suis dit, bon, là, c'est la vérité, alors je dois m'accrocher à cet homme-ci. Et c'est comme ça que je me suis accrochée jusqu'à m'amener à l'église pour que son pasteur puisse commencer à m'encadrer et à m'aider aussi dans la prière. Parce que ça fait 11 ans et je suis allée dans des différents hôpitaux pour qu'on puisse trouver la solution. Mais malheureusement, on n'a pas pu trouver la solution. On s'est dit, bon, on doit alors prier que Dieu puisse intervenir. Parce que cette maladie-là avait commencé. Un jour, j'étais bien endormie. Et le matin, à mon réveil, comme ça, je me réveille, je trouve qu'il y avait une masse au cou. Et comment expliquer ça? Impossible. Et le même jour-là, nous sommes rendus à l'hôpital pour que le médecin puisse quand même nous dire qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut faire pour la soigner, qu'est-ce qu'on peut faire, comment. Mais quand on a posé la question au médecin, plusieurs médecins ont eu à donner leur avis. Et comme chacun avait son avis, comme chacun avait son diagnostic, on a dit, bon, si c'est comme ça, alors on doit aller alors dans un pays étranger pour qu'on puisse quand même trouver une solution. Mais malgré ça, on n'a pas pu trouver la solution. Mais ce que je me rappelle, c'est que quand ça a commencé, quelques temps après, Dieu m'a dit, un jour tu seras endormi et à ton réveil comme ça, tu vas te réveiller et la chose ne sera plus là. C'était trop gros, hein? Et ça se voyait, c'était remarquable. À tel point que je ne pouvais pas faire des coupes normales, je ne pouvais pas me faire tresser, je ne pouvais pas mettre des plantes courtes. Il fallait que je puisse mettre toujours des plantes longues, quelque chose de trop long qui pourra cacher les coups pour que ça ne puisse pas trop être visible. Waouh, lorsque nous avons entamé les prières, en tout cas, ça fait beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Parce que la maladie en soi a duré 11 ans. La maladie a duré 11 ans. Et ça fait beaucoup de temps qu'on avait entamé la prière. Et jusqu'à ce qu'un jour, nous étions... Là, maintenant, je suis ici à Kinshasa. Nous étions à Philadelphie. Ce jour-là, j'avais dit à Dieu, je ne veux pas accepter que quelqu'un d'autre vienne me dire que nous devons aller voir tel médecin, ou soit je ne veux plus accepter qu'un prophète vienne me prophétiser en me disant que non, Dieu m'a dit, voilà, ta maladie va finir et tout. Je veux que toi seul puisses me parler. Et un jour à Philadelphie, il y avait prière, c'était au mois de décembre, il y avait prière. En ce moment-là, pendant qu'on était en train de prier, c'est là que Dieu me dit qu'il faudra que je puisse aller me faire opérer. Et moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui était en train de me parler. Là, j'ouvre mes yeux, je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y avait personne. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était Dieu parce que ça s'est répété deux fois. J'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Et c'est à ce moment-là qu'on a maintenant entamé le processus pour l'opération. Gloire à Dieu, l'opération s'était bien passée. Puisque je suis là en vie, je suis en train de parler. Donc l'opération s'était bien passée. Je suis entrée dans la salle d'op à 16h et je suis ressortie de la salle d'op à 21h moins. C'était au niveau des pigeons. Ah, comme vous connaissez bien la vie d'une star. Bon, on t'appelait de gauche à droite, mais je n'étais pas du genre trop agitée, non. J'étais calme malgré que j'étais dans la peau d'une star. J'étais calme, j'étais posée, malgré toutes les connaissances, malgré que presque tout Lubumbashi connaissait Salva. Et à ce moment-là, c'était Salva Mbombo. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas quitter d'une avenue vers l'autre sans que tu ne puisses pas entendre le nom de Salva Mbombo. Mais j'étais calme, j'étais posée et j'évoluais bien dans ça parce que j'aimais aussi ça. Monsieur Placide, qui est mon mari aujourd'hui, m'a beaucoup aidé à me transformer. Voilà, il m'a beaucoup aidé parce que avant j'étais à l'église catholique et c'est là que j'ai chanté depuis 9 ans. Et lorsque je me suis rencontrée avec Monsieur Placide, avec mon mari, il m'a amenée à la NCD,
là où il servait l'Éternel, là où il était intercesseur. Il m'a amené là-bas, il m'a amené chez son encadreur. Et c'est à partir de là que je commençais à chercher vraiment l'Éternel comme il se doit. C'est à partir de là que j'ai été même baptisée. C'est grâce à lui, parce que c'est lui-même qui m'a amenée vers les eaux des baptêmes. Il m'a beaucoup aidée par des prières, des conseils. Et voilà, aujourd'hui, je suis la femme que vous voyez là. La transformation n'était pas facile parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, moi, j'étais, je peux dire, une star. Une star que Lubumbashi connaissait. Ce n'était pas facile parce que toi, tu es une star et tu rencontres un serviteur. Maintenant, tu dois arrêter cette vie-là des stars et embrasser la vie du serviteur. Parce que je ne peux pas épouser la personne sans épouser aussi sa vision. Donc, il faudra arrêter ce que j'étais en train de faire pour que je puisse épouser la vision du pasteur. Alors, ce n'était pas facile parce que, premièrement, du côté caractère, en tout cas là, ce n'était pas un problème parce que j'étais calme et tout. Mais du côté, beaucoup plus, c'était du côté habillement. Du côté habillement, c'était compliqué, c'était difficile parce que je ne mettais que des petites choses. Et lui, en tant que serviteur, il doit marcher avec une femme qui est digne et tout. Et des fois, je me rappelle même des fois quand il me trouve et que je ne suis pas, entre guillemets, bien habillée, on ne va pas faire route ensemble. Parce qu'il dit non, non, là, non, non, je préfère partir, on va s'appeler. Mais ce qui a fait que je puisse maintenant commencer à m'adapter, c'était la première fois quand il m'avait dit que je devais l'accompagner pour aller prêcher quelque part à Lubumbashi. Et ces jours-là, je me rappelle, j'étais en train de chercher une jupe. J'ai fouillé ma valise et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de jupe. Jusqu'à ce qu'il y avait une cousine dans notre maison, j'ai demandé une jupe chez ma cousine. J'ai dit, je dois l'accompagner. Le pasteur allait prêcher, alors je ne sais pas quoi mettre. Et quand j'ai mis cette jupe-là, je suis allée l'accompagner, il a prêché. Et le lendemain, je retourne à mon habillement habituel. Et pendant que je marchais, comme Lubumbashi n'est pas trop grand, et de gauche à droite, j'étais en train de me rencontrer avec les gens qui me saluaient. Bonjour maman pasteur. En fait, moi, ça me gênait, je me disais, ah! On me dit, maman, on m'appelle maman pasteur, la femme du serviteur de Dieu, mais la façon dont je suis habillée, en tout cas, ce n'est pas digne. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je dois changer mon habillement. C'est à partir de ces moments-là que je me suis dit que non, non, je dois me conformer, je dois commencer à changer mon habillement. Avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a aidé à changer et à épouser complètement la vision de mon mari. Bon, changer, de quitter de l'Église catholique à une autre église, ça n'a pas bougé ma foi parce que tout en étant à l'église catholique, j'étais dans le groupe charismatique. Et dans ces groupes charismatiques-là, on priait comme si on était dans une église de réveil. Alors, changer des églises n'a pas été pour moi une difficulté. Ça s'est bien passé et c'était facile parce que j'étais déjà habituée au charismatique. Parce que dès que tu arrives au charismatique là-bas, donc, c'était comme si tu vas te rendre compte que tu n'es pas en fait à l'église catholique, tu es dans l'église de réveil. Parce que ce qui m'a beaucoup plus aidée, c'était le charismatique. Bon, avant de me marier, Dieu me parlait souvent sur ça. Dieu me disait que tu seras la mère des multitudes. Mais je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Être mère de multitudes, ça voulait dire quoi? Je ne pouvais pas imaginer que quand Dieu me disait cela, il me préparait parce que demain je pouvais épouser un serviteur de Dieu. Cela n'était pas mon idée. Mais c'est après que je me suis mariée que je me suis rendu compte que ce que Dieu est en train de me dire, que tu seras la mère des multitudes, en fait, c'est d'épouser son serviteur. Pour bien soutenir d'abord un mari dans sa vision, il faudra d'abord épouser cette vision-là. Ce qui m'a facilité la tâche, c'est que j'ai épousé la vision de mon mari. Parce que dans sa vision, il y a aussi une partie de ma vision. Pour que je sois aussi une femme accomplie, il faudra que je puisse épouser la vision de mon mari. J'ai épousé sa vision parce que dans ce que Dieu est en train de me dire,
je me suis rendu compte que dans la vision de mon mari, il y avait aussi une partie de ma vision. Et quand bien même être femme d'un serviteur, ce n'est pas quelque chose de facile. On prie toujours que le Saint-Esprit nous donne cette capacité-là. Et la plus grande chose, c'est qu'il faudra avoir un grand cœur. Et gloire à Dieu, il m'a fait grâce, il m'a donné un cœur de mère. En tant que femme du pasteur, au début, oui, j'ai rencontré quelques difficultés. Et c'était que pour qu'on puisse t'accepter, c'était un peu difficile. Parce que quand on parle d'une église, on voit le pasteur. La femme du pasteur, elle, on la voit peut-être pas et pas très souvent. Elle, on la met très souvent des côtés. Et c'était les cas pour qu'on puisse accepter, c'était un peu difficile. Mais je me rappelle un conseil que m'avait donné le prophète Samson Kachama, qui est le père spirituel de mon mari, qui est notre père spirituel. Il m'avait dit un jour que, tu vois, il m'avait posé la même question de savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres. Je lui ai dit que j'ai comme l'impression que les gens ont du mal à t'accepter tel que tu es, accepter que tu es la femme du serviteur, accepter que tu es leur mère aussi. Il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, tu sais ce que tu dois faire, c'est de travailler ce que Dieu a mis en toi. Travaille pour que tu puisses ressortir le meilleur de toi. Et dès que tu vas commencer à donner le meilleur de toi, tu vas voir que ça sera facile pour qu'on puisse t'accepter. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à travailler ce que Dieu a mis en moi. Parce que je chante, je suis aussi prédicatrice. Et avec l'aide de mon mari et l'aide du Saint-Esprit, et j'ai mis en pratique le conseil que m'a donné le prophète Samson Kachama. Et aujourd'hui, j'arrive à surmonter cela et à bien gérer cela. Et aujourd'hui, on peut t'accepter en tant que maman. Le masterclass, nous l'avons dénommé CBH, couple béni et heureux. Le masterclass est la plateforme qui nous permet d'encadrer le couple. D'encadrer le couple, d'encadrer les gens qui aspirent au mariage, les gens qui aspirent à vivre le bonheur dans leur couple, les gens qui s'est dit, lorsque moi je me marie, en tout cas, c'est sans intention de divorcer. Donc, on va aller jusqu'au bout. Et ce qui a fait que nous puissions commencer ce masterclass-là, ce CBH masterclass, c'est que nous avons constaté beaucoup de difficultés dans des différents couples. Ça fait maintenant 3 ans. Nous avons entamé 3 éditions, oui, avec différentes thématiques. Et chaque édition, nous avons eu premièrement la gestion des maris. Et après, deuxièmement, nous avons eu le rôle d'une femme. Et troisièmement, nous avons parlé de comment gérer les mauvais moments dans le couple. Oui, ça a été une réussite. Ça a été une réussite. Et les gens réclament encore. La prochaine édition est prévue au mois d'octobre, sauf imprévu. Oui, en dehors de ce que je fais comme femme du pasteur, je suis responsable de FLAC. Je suis responsable des salves à collection, responsable des salves à air. FLAC, c'est une association de femmes leaders au Congo. Je suis la présidente de la FLAC. Ça parle de la femme, de l'autonomisation de la femme. Là, nous aidons aux femmes de ressortir les valeurs qui sont cachées en elles. Nous avons déjà eu à faire quelques réalisations, mais là, nous attendons l'autorisation du gouvernement parce qu'il nous faudra les F92 pour commencer à organiser des grandes manifestations. Je n'ai pas continué la carrière en tant que journaliste parce que, en fait, mon père n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça, il me disait il faut se concentrer sur ce qui est essentiel, concentre-toi sur tes études, le reste là, la vie d'une star, ça te donne quoi, ça t'amène à quoi. Donc, en fait, tellement qu'il parlait, bon, je me suis dit, bon, à quoi bon continuer? Il faut mieux arrêter et me concentrer sur les études. C'est comme ça que j'avais arrêté, je me suis concentrée sur les études.
Je me suis juste organisée. Je sais quand est-ce qu'il faut être à la maison, quand est-ce qu'il faut être à l'église, quand est-ce qu'il faut être dans des activités. Même la Bible dit chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, je me suis juste organisée. Je sais qu'en ce moment, si je dois être à la maison, là, je suis à la maison. En ce moment, je dois être à l'église, je suis à l'église. S'il faudrait que je sois dans mes occupations, je suis dans mes activités. En fait, c'est juste une question d'organisation. La femme du pasteur ne s'occupe pas bien de leur mari, à part à l'église. Ah, mais non! Comment est-ce que tu peux bien t'occuper de ton mari à l'église, mais à la maison, tu n'arrives pas à t'occuper de ton mari? D'abord, pour commencer, tout commence à la maison. Tout commence à la maison. Avant qu'on puisse arriver à l'église, nous sommes d'abord à la maison. Je commence d'abord par m'occuper de mon mari. Parce qu'à la maison, on ne peut pas l'appeler pasteur, serviteur. Ce n'est pas qu'à la maison, on met de côté le fait qu'il est pasteur. Non, il est pasteur. Mais la femme doit savoir aussi qu'au-delà d'être pasteur, c'est un homme, c'est mon mari, c'est mon époux, d'où je dois prendre soin de lui. Donc, je ne peux pas prendre soin de mon mari à l'église qu'à la maison. Je dois d'abord commencer par la maison. Je dois savoir qu'il va manger quoi, il va faire quoi, il va s'habiller comment et tout. Je prends soin de lui à la maison et après le reste, là, on va le voir à l'église. Parce que c'est à la maison qu'on passe beaucoup plus de temps qu'à l'église. À l'église, lorsqu'on part à l'église, c'est juste pour quelques heures et après on rentre. Et même pour que l'homme qui est le serviteur de Dieu, pour qu'il puisse dégager l'onction qu'ils ont toujours dégagée à la chair, il faudrait que la femme puisse bien prendre soin de son mari à la maison. Parce qu'à la maison, il est un mari. À la maison, il est un ami. À la maison, il est l'époux. Lorsqu'on arrive à l'église, là, pasteur, oui, on parlera de choses de l'église. Dire que je dois prendre bien soin de mon mari à l'église qu'à la maison, là, c'est faux, parce que tout commence à la maison. Parce que si je ne suis pas en bon terme avec lui à la maison, ça sera même difficile qu'il puisse dégager l'onction à la chair à l'église. Parce que lorsqu'on ne sera pas en bon terme, lorsqu'il y aura quelque chose qui ne marchera pas à la maison, ça va commencer à l'inquiéter, ça va commencer il va commencer à se poser beaucoup de questions et ça sera même difficile qu'il dégage l'onction à la chair. Si vous voyez un serviteur de Dieu dégager l'onction à la chair, cela veut dire qu'à la maison, ça va. À la maison, on prend soin de lui comme il se doit. À toutes ces femmes qui sont femmes de serviteurs, je sais que ça n'a pas toujours été facile d'être femme du serviteur. Mais la femme peut surmonter cela. Elle peut surmonter toutes les difficultés qui est liée à la femme du pasteur, si premièrement elle épouse la vision du serviteur. Et non seulement épouser la vision, et qu'elle se donne aussi à cette vision-là. Et ça sera aussi très facile lorsque cette femme-là, qui s'appelle femme de serviteur, est appelée. La femme qui pense épouser un serviteur de Dieu, c'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien d'épouser un homme de Dieu. Avant, quand on grandissait, j'entendais souvent les gens dire que je vais épouser un homme de Dieu parce que j'aurai un mari pour moi-même. J'aimerais dire que c'est faux et archi faux. Lorsque tu épouses un homme de Dieu, tu n'auras pas un mari pour toi-même. Tu auras un mari pour toi et un père de plusieurs. Un père de plusieurs parce qu'il aura beaucoup de gens qui va gérer. Donc, tu épouses ton mari et un père de plusieurs. D'où il y aura un temps qui va te consacrer et un temps va consacrer aussi aux enfants. Chose que beaucoup de femmes n'arrivent pas à accepter. Et la plupart de ces femmes-là qui n'arrivent pas à accepter, ce sont des femmes qui n'ont pas épousé la vision et qui ne se donnent pas. Lorsque tu es femme du serviteur, il faudra que tu puisses te donner dans cette vision-là. Que tu te mettes aussi à faire quelque chose dans cette vision-là. Que tu aides ton mari dans cette vision-là. Parce que lorsque tu accompagnes l'homme, prenons par exemple dans la Bible, c'est à Adam qu'on a donné la vision. Et la femme est venue juste accompagner cette vision-là. Les choses vont marcher lorsque nous sommes là pour les accompagner. Je te dis que j'accompagne mon mari.
J'ai aussi les soucis que demain et après-demain, que mon mari atteigne le niveau là où Dieu l'attend, qu'il atteigne un niveau où un niveau du repos. Et pour qu'il puisse atteindre ce niveau-là du repos, ça dépend de la façon dont toi aussi tu es en train de l'accompagner. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, si toi-même déjà tu te donnes, avec l'aide du Saint-Esprit, il va te donner la force et la capacité de bien gérer cela et de surmonter tout ce qui peut arriver, vent et tempête. Et oui, une belle rencontre qui a apporté un changement positif dans la vie de Salvanie Marraine, épouse du pasteur Placide Marraine de l'église Centre évangélique Les Adorateurs. Comme j'ai toujours dit, chaque relation peut influencer de manière positive ou négative la vie de chaque partenaire. Mais c'est à toi de faire un bon choix. Et bien, j'ose croire que cette histoire a trouvé place dans la vie de chaque femme qui sont en train de nous regarder. Et nous sommes déjà à la fin de notre magazine, mais bien avant cela, toutes nos condoléances à la famille Tounassi du pasteur Massilo Tounassi qui a perdu sa femme, une grande dame qui a su soutenir sa vision dans son église, la compassion. Et nous ne pouvons que souhaiter paix à son âme. C'était Naomi Mukong à la présentation et Frédéric Vosantoko à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés pour un tout nouveau numéro de votre magazine Un jour, une femme, leurs histoires, votre motivation. Ciao!